Bonjour à tous les amis, je suis ravi de vous retrouver. Et si pour une fois nous changions, si nous faisions une voyance fiction, imaginons que Brigitte Macron vienne me voir en consultation. Rassurez-vous, ça n'arrivera pas. Mais rien ne nous empêche de l'imaginer. On peut déjà se poser la question, quelles seraient ces interrogations Dans un premier temps, c'est ce qui semble le plus logique. Se demander qu'est-ce qui l'inquiète, quelles seraient ses interrogations. Ce que je vous propose, c'est de regarder ces sujets d'inquiétude. Et puis après, nous ferions une consultation, comme si elle était en face de moi. C'est la première fois que je tente l'expérience. Je pense que ça peut être intéressant de comprendre, de voir, et puis peut-être de reproduire à nouveau cette, cette tentative de voyance fiction, je vais l'appeler comme ça, fiction dans le sens où, bien sûr, Brigitte Macron ne viendra pas me consulter. Alors je regarderai, et je vais demander à l'oracle quels sont les trois sujets d'interrogation si Brigitte Macron venait me consulter. Alors, pour vous donner une idée, pourquoi je fais ça Parce que, vous ne le savez peut-être pas, mais la voyance est utilisée aussi par des psychologues, par des, euh, des agents immobiliers. Un agent immobilier pourrait très bien prendre son béline ou son tarot ou autre support et se demander comment faire pour mieux vendre la maison. Un client vient le voir, il a rendez-vous, se demander comment le client va percevoir la maison, quelles sont ses réelles motivations, est-ce que ça vaut le coup de perdre du temps avec lui ou pas. Vous savez comme moi qu'il y a des clients qui sont pour l'immobilier totalement peu sérieux et viennent juste se promener. Donc on peut avoir affaire à, de, de, à toutes sortes de paramètres. Et puis pour un, un psychologue, eh bien essayer de comprendre finalement ce que pourrait lui cacher son consultant. En pratiquant de la même façon que moi. Alors les sujets d'inquiétude de Brigitte Macron. Sa mort. Quand viendra-t-elle la chercher Ça vous montre une chose. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet où c'est apparu dans plusieurs vidéos. Ça montre que Brigitte Macron a une réelle inquiétude sur sa fin de vie. Alors là, je ne vais pas faire une vidéo dessus, ou je ne vais même pas faire le, le tirage. Tous ceux qui me suivent savent que j'ai déjà fait le tirage. Donc là-dessus, on est raccord. Mais ça montre, ça montre de façon très claire que Brigitte Macron a une réelle inquiétude sur le sujet. Elle se sent vieillir, elle sent que la fin pourrait être proche, et elle commence à de se demander quand la faucheuse viendra l'accueillir. Regardons le second, la seconde inquiétude de Brigitte Macron. Ici, c'est une carte martienne. Mars, c'est l'agressivité, l'agression une forme de d'action mais c'est toujours une action avec mars qui est quelque peu agressive on n'est pas dans l'action on fait les choses pour les faire mars c'est quand même l'agressivité et puis vous voyez une carte méchanceté avec une pointe une dague ici un fourneau on a l'impression d'être chez landru avec cet instrument qui découpe on brûle et on évacue bon Peut-être certains y verront autre chose. Moi, en tout cas, cette carte, je l'interprète comme une, vraiment une crainte d'agressivité. On a l'impression qu'elle se sent persécutée. Alors, toujours difficile à, à expliquer le pourquoi, mais quand on y réfléchit un tout petit peu, elle a quand même alimenté beaucoup les rumeurs. Elle a quand même beaucoup alimenté tout ce qui tourne autour de sa personnalité, de sa vraie identité. Et puis cette dernière photo, j'ai fait là aussi une vidéo où on la voit en un maillot de bain, j'avais fait un petit peu d'humour dessus, euh, elle n'est pas très vieille donc vous pouvez la retrouver dans les playlists. D'ailleurs à ce sujet, n'hésitez pas, quand vous avez une demande de voyance, regardez surtout sur les sujets politiques si je ne l'ai déjà pas traité. On me demande régulièrement des sujets sur... Les Bogdanov, je l'ai fait il y a pas longtemps. Donc regardez avant de me demander, c'est beaucoup plus simple pour moi et puis ça vous permet de peut-être de découvrir d'autres vidéos que vous n'aviez jamais euh, pu voir. Je sais, il y en a 800 en... j'allais dire en stock. Il y en a 800 qui sont publiées, mais toutes les vidéos de la chaîne sont classées. Vous avez vous regardez à partir d'un ordinateur, je ne sais pas comment ça fonctionne à partir d'un téléphone. Mais à partir d'un ordinateur, c'est très simple. Vous avez une playlist sur la politique française, une sur l'international, une sur les actualités, vous avez une playlist sur les cases, vous avez une playlist sur le paranormal, une playlist sur les mystères, une playlist sur les oracles et tarots, sur les formations, et une playlist sur les présentations des tarots, avec leurs auteurs. Cette playlist est encore petite, mais elle va grandir. Et puis vous avez aussi... Une playlist pour faire des tests de voyance. Vous voyez, j'offre vraiment beaucoup de choses sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à regarder, soyez curieux ou curieuse, fouillez. Et puis, si vous ne trouvez vraiment pas votre sujet, à ce moment-là, il est temps de m'écrire sur utervoyant.com et bien sûr, je me ferai dans ces cas-là une joie de vous répondre. Mais pour en venir à Brigitte Macron, vous voyez bien que quelque part, toutes ces, toutes ces rumeurs, toutes ces discussions autour d'elle, elle prend ça comme une agression. Elle se sent victime. Quelque part, on sent la faiblesse de, du personnage. On sent toute tout la faiblesse parce que ce n'est pas quelqu'un de fort, c'est quelqu'un finalement qui se sent vieillir qui n'a plus la même tonicité et qui se sent diminué dans beaucoup de sens du terme. Et puis c'est aussi quelqu'un qui se sent un petit peu acculé dans ses retranchements et qui n'arrive plus à faire illusion. Regardez certaines photos il y a quelques temps, d'autres photos sont beaucoup moins flatteuses. On sent que Photoshop marche moins bien. Ou ne marche plus, vous voyez, ou qu'il y a trop de choses à cacher, à modifier. Et enfin, le sujet d'inquiétude numéro 3. Sur son couple. Et là, c'est intéressant parce que finalement, on sort un petit peu du cadre de, de la personnalité même de Brigitte Macron, mais on relie ça sur son couple. et a des inquiétudes sur son Marie et elle. Bref, sur leur avenir sentimental. On peut se demander pourquoi ces inquiétudes. En façade, tout va à peu près bien, même si on la sent moins présente. On peut aussi faire le lien avec cette embrassade accolade de Amélie Oudéa Castéra, de ses poignées de main et de ses tenues de main, de son président de Marie avec d'autres hommes. On sent quand même que quelque part ce couple se délite. Mais on peut s'interroger. Je ne vais pas faire une voyance sur le décès probable de Brigitte Macron ou pas probable, je l'ai déjà fait. Sur ses secrets, je viens de le faire il y a quelques jours. Ça ne vaut pas la peine non plus. Par contre, sur son couple sur l'évolution de son couple ainsi ça va vous permettre aussi de regarder pour ceux d'entre vous qui tirent les cartes que ça soit pour vous faire plaisir ou pour le faire pour des amis ou, ou en tant que professionnel peu importe vous pouvez très bien vous inspirer de ma méthode ma méthode elle va être simple une question précise une question très claire pour l'oracle parce qu'un oracle ça se questionne on n'attend pas que l'oracle nous donne les réponses, ce n'est pas des runes et ce n'est pas un tirage avec le petit le normand. Donc, un oracle se questionne une fois que la question est faite. Quand vous parlez d'évolution, c'est un tirage en croix. Sinon, si vous parlez du caractère de la personne, il n'y aurait qu'une carte. Vous voyez, mais là encore, tout ça vous le retrouvez dans les formations qui sont en ligne sur la chaîne. Alors, ce que je vous propose, et eh bien c'est de poser la question à l'oracle. Comment va évoluer le couple Brigitte et Emmanuel Vous voyez, c'est vraiment une question très simple. Et quand vous m'écrivez pour me poser ce genre de questions, c'est tout à fait comme cela que je procède. Je fais un tirage en croix et je vous dis la teneur de ce tirage. Donc la première carte représente la situation de ce couple. Ce n'est pas une carte d'amour. C'est une carte jupitérienne qui montre quelque chose qui est dans la continuité. Il y a quelque part beauté, c'est-à-dire qu'il y a toujours une forme d'attirance entre eux, mais l'attirance ne fait pas de l'amour. On peut être attiré par d'autres personnes, d'ailleurs on peut être attiré pour, euh, pour l'intelligence, on peut être attiré pour euh, plein de, de, de phénomènes, mais ça ne dit pas qu'il y a de l'amour entre eux. Ça veut toujours dire, dire qu'il y a une forme d'attirance ou de désir. Mais encore une fois, l'attirance n'est pas forcément exclusive et n'est pas forcément sur le thème de l'amour. On va regarder maintenant ce qui va contre l'évolution de ce couple. Alors, ce qu'il va aller contre l'évolution de ce couple Rien. Rien, il n'y a plus rien qui va contre l'évolution de ce couple. On a l'impression, finalement, et regardez, nous avons une carte saturnienne, Saturne. C'est le temps qui est long. On a l'impression qu'il n'y a plus rien. Plus rien qui bouge. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Que le couple n'existe plus. Que l'un des deux est décédé. Ça rejoint un petit peu les inquiétudes de Brigitte au départ. Donc là, dans ces cas-là, il ben, n'y a plus rien qui va contre. Hein, C'est la fin. Ou simplement, il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus de couple. Dans tous les cas, plus rien. Et quel est le conseil à donner à ce couple de faire vivre la passion. La passion qui est destructrice comme si quelque part c'était les derniers feux d'artifice, comme si quelque part il fallait faire quelque chose pour euh, profiter une dernière fois. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que là, il n'y a pas d'amour, puisqu'il faut le refaire revivre. Combien d'entre vous sont âgés encore en couple et quelque part... L'amour étant présent, il n'y a pas besoin de le faire revivre, il existe toujours. Là, ça montre qu'en fait, tout se termine. Tout est terminé sur beaucoup de plans. Ce qui se confirme ici, aucune carte vénusienne. Il n'y a plus d'amour dans ce couple. Par contre, ce couple va se terminer et on retrouve l'inquiétude de Brigitte, la faucheuse carte de la fatalité, la faucheuse, en réalité, c'est la mort qui va venir mettre fin à ce couple. Donc ceux qui pensent que ce couple va se séparer, non. En tout cas, pas officiellement, ils ne vont pas divorcer, voilà ce que je veux dire, ils peuvent se séparer, vivre séparément, mais là, on voit surtout que c'est la mort qui va mettre fin à ce couple. Là, ils communiquent, par contre, ils sont dans la communication. Une communication d'ailleurs plutôt entre guillemets professionnels, donc sachant, la sachant que euh, Emmanuel Macron est président, on est plutôt sur des communications de politiciens. Ça ne nous montre pas que ces couples s'aiment. Et vous voyez bien que quelque part, ce couple n'est plus qu'un couple de façade, qui sera fauché par le décès de Brigitte Macron. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. N'oubliez pas, likez la vidéo, pensez à vous abonner. Beaucoup d'entre vous se font désabonner par YouTube et s'en aperçoivent bien un jour, peut-être un petit peu trop tard. C'est dommage. Vérifiez de temps en temps que vous êtes toujours bien abonné. Et puis, si vous êtes nouveau, ben je vous souhaite la bienvenue. Abonnez-vous à la chaîne. Vous le savez, vous pouvez m'écrire sur utérvoyant.gmail.com. Je réponds gratuitement à vos interrogations dans un délai. De une journée à trois semaines, ça dépend un petit peu de comment j'arrive à m'organiser. N'oubliez pas que la chaîne a aussi besoin de vous pour ses projets, pour avancer, pour proposer de nouvelles choses, comme ce live qui est prévu pour jeudi, jeudi à 16h, un live sur des colcaises, sur un colcaise, celui de Jean-François Turquin. Euh, je... Donc il y, y a beaucoup de choses qui sont prévues. À ce titre, la chaîne a besoin de soutien. Tout est dit, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous.